Ces points correspondent plus particulièrement aux maladies liées aux allergies respiratoires telles que l'asthme, la bronchite chronique, la rhinite allergique telle que le rhume des foins. Pratiquez cette stimulation quotidiennement ou plusieurs fois par jour dès l'apparition des premiers symptômes. Si vous êtes allergique au pollen et graminées, pensez à commencer votre traitement bien avant leur apparition dès le printemps de manière préventive. Le point 3 vous sera très utile si vous souffrez de problèmes pulmonaires, des bronches, de troubles cardiaques ou si vous souhaitez arrêter de fumer. Sa stimulation vous permettra aussi d'abaisser rapidement votre tension en cas d'hypertension. Le point 7 agit avec grande efficacité sur les problèmes des règles menstruelles, soulage les cystites, favorise la digestion surtout après un repas trop copieux ou un abus de sucre. Très intéressant pour les personnes diabétiques qui sauront en faire un usage régulier. Le point 17 stimule la libération des corticoïdes naturels aux vertus anti-inflammatoires bien connues. Sa relation avec l'ensemble du bassin offre un large champ d'application. Attention toutefois, évitez de stimuler ce point en cas de tumeur à l'estomac. Le point 19 va vous rendre de grands services. Il a une action sur la tension artérielle, augmente l'énergie, calme les maux de ventre, la constipation, les vomissements, provoque les contractions de l'utérus également. Il est bien connu des judokas, c'est un point de réanimation qui tonifie le cœur et le relance. N'hésitez pas à le stimuler en cas de malaise. Attention, ne pas stimuler ce point en cas d'hypertension. Ce point est interdit aux femmes enceintes, sauf si elles sont sur le point d'accoucher, car dans ce cas, les contractions seront favorisées. Le point 41 est le point de la vésicule biliaire. C'est aussi le point régulateur du cholestérol et de la digestion. Le point 50 est relié au foie et donc aux problèmes hépatiques. Il tonifie ce dernier, influe sur les œdèmes et la rétention d'eau. Il fait également baisser le cholestérol.
Il stoppe également les hémorragies. Le point 60 est associé aux problèmes liés aux yeux. Il a également une influence sur le cœur, les poumons, les seins, le front, la langue, les bras et les avant-bras. Le point 61 se situe dans le creux surplombant la narine. Il permet la production d'endorphines naturelles. On l'utilise dans les cas de nez bouché, sinusite. Il stoppe l'écoulement nasal. Il arrête les hémorragies et anesthésie les douleurs. Le point 73 est utilisé en cas de toux, kyste au sein ou à l'ovaire, les problèmes de vue, de conjonctivite. En période d'allaitement, il favorise la lactation. Le point 124 fait partie du menu d'accueil. Il tonifie et détend à la fois. Il concernera particulièrement la vésicule biliaire et la bile du côté droit, la rate du côté gauche et le cerveau des deux côtés. Le point zéro est celui par lequel on finit toujours les séances. Il a un effet régulateur sur l'ensemble des fonctions. Si vous avez par erreur stimulé de manière excessive un point réflexe qui n'en avait pas besoin, ou si vous avez fait une erreur, ce point permettra de corriger votre fausse manœuvre.